Et nous sommes de retour, nouvel épisode, on continue. J'aime beaucoup en plus la... comment on coupe les épisodes, parce que j'étais en train de penser à ça en fait avant de commencer. Avec le camping et tout ça, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup le jeu, je passe un très très bon moment dessus. Alors, point instable, on va peut-être pas y aller, mais par contre je voudrais vraiment... Yes, eux là, je sais pas qui c'est. Ils ont pas l'air d'être très forts, parce que c'est grisé en fait leur nom, donc ça devrait pas être trop de... Bah ok. La Légion. Ok. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Ok, vous venez dessus, vous me menez dessus. Ok, go. La Légion, c'est genre les Romains au final ou quoi? Alors toi, il a le même truc. Ah oui, l'épée, c'est là dont elle vient. Alors, plus que vulnérable aux critiques. C'est un mec. Donc ils sont 7, donc 3, 4 ici, 5, 6, 7. Okay. On a quoi? Est-ce qu'on a des trucs chiants? Il n'y a que... Enfin non, honnêtement on n'a pas des trucs chiants, ils vont pas faire beaucoup de dégâts. Ils vont vraiment pas faire beaucoup de dégâts. Il nous faut notre voleur avec Kirik. Elle va rester en plein milieu pour pouvoir donner aux ordres aux animaux si besoin. L'ours il va tanker ici. Les sangliers on les met derrière. Toi on te met là. Il nous faut notre nouveau tank, Lucie. Tu vas être aidé de Aegram. Notre alpha. Sont les soins. On a mené. Honnêtement, il faudrait plus de soins. Il faudrait grave plus de soins dans notre équipe. Donc, spade assassin. Taurus, est-ce qu'il peut aller dessus? Non. À la limite, Taurus, il pourrait l'attraper. Mettre directement du saignement et se casser. Je vais pas me mettre à côté d'elle parce que je sais pas si elle va pas faire une ligne droite sur nous. Waouh, d'accord, elle a rien fait quoi. Ok, cool. Bien joué. Je crois que le légionnaire, on va lui faire le coup du... Ouais, on va lui faire ça. Ah, toi, t'es où? Je t'ai mis où, toi? Ouais. Fuis pour le moment. Parce qu'on n'est pas... On va pas être prêt pour que tu interviennes.
T'es... Non, t'es pas engagé. Vas-y, fais voir. Ben voilà. On devrait peut-être mettre galvanisation en premier. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est bien, le mec il a complètement. Bah, il est où? J'arrive pas à le cibler. Le mec il a bugué. Alors. J'ai vu un cheval de guerre. Non, un poney de guerre, même, j'ai envie de dire. Tiens. J'adore ce truc. Voilà. Oh non. Tu l'as touché. Tiens, tu t'es pas pris de dégâts parce que tu l'as repoussé, j'imagine. On a galvanisation, donc du coup... Pas besoin de se buffer. Et garder des points au cas où quand même. Je sais jamais ce qui peut se passer. Très bien. Ouais, on est des gens avec un ours dans l'équipe. C'est chaud. Hein. Qui joue là? Ok, c'est bon. Essaye un peu de. Action de base, action de base. On tape ou pas? On va taper. Très bon. Je suis content de d'avoir pris armure lourde en fait. La dernière fois, on a récupéré Lucie Nima. Alors, elle est niveau 3. Ah, il faut lui mettre un job aussi. Elle est niveau 3. Mais je pense qu'elle peut être très intéressante en tant que pure tank, en fait. Par contre, il n'y a rien pour bloquer la... Ah si, complètement. Non, t'es à nous. Ah, y a Will qui a pas joué. Oui, il fait mal quand même. Oh, t'as de la chance. Paf, j'ai de la chance. Et j'ai envie de te dire. On a trouvé du meilleur équipement, meilleur bouclier. Pour lui, meilleure arme. Enfin, bouclier, j'en sais rien en fait si on le garde au bouclier, mais. Vous
Notre archère, je... Elle est pas extrêmement efficace. Du coup, maintenant... Elle est vraiment bien pour le feu de, dans des occasions, mais un peu limitée, j'ai envie de dire. Donc je sais pas si elle est si on a bien fait, mais bon. Oh, il a fait un crit, ça fait saignement. Ouais, l'entaille. Cheval ici, mais quoi. Commence à avoir. Je sais pas, on n'est pas top et tout ça, et genre le jeu est pas facile non plus. Attention, je dis pas ça. Mais on commence à avoir un setup intéressant en fait. Où les enchaînements et tout ça se vont très très bien. Bon. Et ben voilà. Suffisait de demander. Faire l'armure du poney. Elle est toujours. Elle est à 40. Attends, on va se mettre dans le camp. Alors, on a récupéré sa armure 20, portée 1, mouvement 2. Jacques de la Légion. Tout soldat de la Légion a porté ce Jacques au moins une fois dans sa vie. Armure 20. Critique 2. Ah, mouvement, j'aime bien parce que mouvement pour un tank, c'est quand même vachement bien. Et ça, c'est quoi du coup? C'est une épée légèrement courbée et très appréciée de la Légion. Donc, c'est une épée à une main. Compétence maintien de la ligne. La repousse d'un mètre applique vulnérabilité. Et critique. Est-ce que torte? Non, torte, c'est des masses. Non, ça, c'est des trucs qu'on va virer. Ah non, par contre, attends. Torte. Et parce que Torte, maintenant, il a ça. Donc, on va lui donner ça. Très bien. Tunique. Agréa, ça a toujours la tunique qu'on avait fait, la harde. Ça va. Donc, ça, on peut vendre. Très bien. Je pense pas qu'on va passer par le pont, parce que je fais pas confiance. Mais... Je voudrais bien découvrir une tour de prison. Moi, dès qu'on voit une tour, on saute dessus, quoi. Je crois que cet endroit est un peu buggé, non? Cheval marin. Attends, on a un point. Alors. Il y a l'essence de vierge qui pourrait être intéressante. Pour les alchimies et tout ça. Si on avait vu qu'on avait besoin de genre l'huile de forge et tout ça là. De l'essence de vierge. Ah, peut-être qu'on va commencer à mettre le plan, à prendre le plan de carrière.
pour un peu mieux diriger nos personnages. J'avais vu comment ça fonctionnait. En fait, quand vous avez un niveau, là, il va avoir écrit plan de carrière et on utilise je sais pas combien par contre. Je sais pas combien. Mais ouais, ça va être peut-être plus intéressant. Parce que elle, déjà, au niveau 3, là, on a vu que Lucie, bon, elle avait beaucoup de trucs dans la volonté. C'est pas ce qu'il y a le plus intéressant pour elle. On va être honnête. Ah oh, putain, j'ai recliqué dessus. Donc là, on a encore des gens de la Légion. Dis-moi que. On peut pas avoir une. Là, il y a une ville. Ça, il y en a de la pêche ici, c'est cool. Peu importe où on balance l'appât, je crois. Nickel. On fera un peu des quelques hameçons quand on aura le temps. Ferme de Maé. Bonjour. Vous savez où sont les prisons? Dégagez, on est arrivé avant vous, c'est notre butin maintenant. Extorquer une partie de leur butin aux pillards. Du blé, du miel et un manuel de travail. D'accord, on partage, mais arrêtez d'insulter nos familles. Voilà, merci. Prenez ça, c'est la moitié de ce qu'on a ramassé, j'espère qu'on ne le reverra jamais. Ok. Parce qu'en fait, je sais pas si on. La plupart des RPG, tout ça. Genre là, apparemment, ils avaient du butin, ok, qu'ils avaient volé. Parce que c'est des voleurs. Ah, je me suis coupé avec le lag. Est-ce qu'on allait récupérer, genre, tout le butin si on les tuait? C'est ça ma question. Est-ce qu'on allait récupérer vraiment tout? Bonus augmente de 1 le bonheur des troupes. Ouh, le miel, ça a l'air. Du miel doré, délicieux et onctueux. Donc c'est spécial. Et connaissances. Donc du coup, est-ce qu'on allait vraiment récupérer ça et plus si on les combat et les tue? Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire ça. On est un peu lourd. Je commence à me demander si on devrait pas faire cannibalisme. Est-ce qu'on a beaucoup de poissons? On a des perches. Mais après, on a encore de la viande. Cannibalisme pour nous aider. Bon après c'est vrai qu'on tue pas énormément. Enfin c'est pas très compliqué. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin. Alors. Cette unité ne subit plus les effets de brûlure, mais le statut n'est pas retiré quand elle se déplace. Quoi? Isole la peau des flammes et n'empêche pas la propagation de celle-ci à son environnement. Oh! Ok, ça c'est pas mal ça. On va qu'on le fasse ça. Donc cette unité ne subit plus les effets de brûlure, mais le statut n'est pas retiré quand elle se déplace. Donc si elle brûle, elle brûlera tout le temps en fait. Oh, c'est quoi ça? Rune et codex. Ah, ok, j'avais même pas vu qu'on avait ça. J'ai même pas fait attention. C'est intéressant. Donc en gros, on pourrait s'en servir comme. J'en sais rien. On va continuer sur les routes. De toute façon, les routes, c'est le meilleur moyen pour trouver les prisons. Donc.
Par contre, on n'enlève plus le statut de brûlure, quoi. Ça, c'est dangereux. En fait, on pourrait mettre le brûlure à tout le monde, quoi. Centre d'entraînement de la fraternité, yes. On pourrait mettre brûlure à tout le monde dans ces cas-là. Rien à faire, ce gars-là là-bas sont toujours aussi nuls. Ne faites pas la même erreur. Changez de spécialité ou apprenez de nouvelles compétences avant de finir. Enfin, de pas finir comme. Maîtrise de compétences, visée course, premier soin. Moi, c'est le premier soin que je voudrais. Quand on sera de un peu plus haut niveau. Oh mon dieu. Je vais être franc, je pense qu'on va voler genre 5 bouquins de soins là. Ce n'est pas impossible que le comte Léa ou le seigneur Vénaris finissent par nous embaucher. Pas que ça m'enchante, mais c'est le métier. Parce que avoir du plus de premiers soins sera intéressant. Je trouve. Ah attends, c'est. On peut aller nul. Il faut juste une. Il faut une corde, je crois, obligatoirement. Intéressant. Grotte des naufragés. C'est de l'équipement qu'on peut pas mettre pour les brûlures là, quoi, maintenant que j'y repense. C'est pas un truc qu'on peut mettre sur les animaux. Donc sur les humains, on peut. Sur les tanks à la limite. Parce que les tanks, c'est ceux qui monopolisent les gens. Qui les engagent et qui les laissent à un endroit en fait. Donc du coup, ils feraient passer le feu. À ceux qu'ils ont engagés. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être intéressant. La grotte des naufragés. Observer. Ah, on peut observer. Putain, attends. Tu vas pas me dire que les grottes, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai vu, mais est-ce qu'on pouvait aller plus loin dans les autres grottes? Une torche. On en a des torches. Hein. On a combien? On a deux. Octasta. Truand, brigand et maraudeur. Ok, cool. Ne dis pas qu'on va combattre dans le noir. Non, ça va. Ok, donc on a trouvé un camp de brigands, quoi. Dans la loi. Donc ils sont 8, donc 4 et 4. Ouais, 4 et 4. Alors, Taurus. Ici. L'ours pour là. Attends, qui s'occupe de qui là? Là on a Kirik, Hacker. Ok, ici on a Taurus, Lucie. Là on a l'ours, le cheval.
Will. Il n'y a pas vraiment de vrai tank sur ce côté droit. On a deux archers. Deux archers, il faut bloquer les deux archers. On peut bloquer l'archer. Non, on peut pas. Ok, là on peut, ça marche. Toi, ça fait poison, bien sûr, évidemment. Ça, tu as vite crevé de toute façon. Ah! Ah, ok. C'est bête. Ouais, vous allez prendre cher maintenant, les mecs. Oh la vache, quel con, je voulais bouger et provoquer un autre. Oh là là, à chaque fois. Hein. J'en ai marre de faire tout le temps la même chose. Toujours le bourrer. Hein. Il est où? 8, il est là. Ah, c'est parce qu'ils ont des... Ils ont des malus, quoi. 20% de dégâts en plus, c'est... C'est un massacre, hein. C'est un massacre, en fait, avec sa charge. C'est fou. Ah merde, je faisais pas attention. Waouh, t'es sérieux? T'as tiré sur le cheval? Ah putain. T'as mal joué. Je crois que ça sert à rien d'en capturer d'autres, hein, parce que... On a déjà un peu trop de gens à nos goûts, là. Bien tuer celle-là. Je sais pas comment en fait. Si, si, je sais comment. Mais bon. On va devoir passer
un tour. On s'en fout du reste. J'adore le son de cette arme. Terrible. C'est quoi ça? Carte à jouer. Oh, on a eu deux tuniques. Elle est grave à la montée de niveau. Yo yo yo. Alors, volonté. Elle est grave, t'es quoi toi? Toi, on te. En fait, toi, t'es pas grand chose. Dégâts subis causés par l'adversaire engagé, réduit de 50. Ouais, on va te changer pour un tank. Je vais voir. Plan de carrière. Vous pouvez dépenser de l'influence pour ajouter un plus à un attribut lors du passage au niveau. Ah ouais. Ouais. Ben du coup on prend ça. Cette constitution elle est déjà beaucoup. Ouais. Pas mal. Ouais ouais c'est sympa. On aurait dû le. Enfin on aurait dû. Non. L'avoir. Plutôt, ça serait bien. Mais bon. Alors on va te mettre ça, parce que critique et mouvement. Torte, toi là, tu devrais avoir la même 18. Non, t'as pas la même. T'as la niveau 4. Toi, t'as niveau 3. Après, tous les autres, je crois qu'ils ont du bon équipement. Ouais. Lucie, peut-être, armure 20. Non, non, si, tout le monde a du bon équipement. Le reste, on peut virer. Attends, pourquoi on a... Ah oui, parce qu'on l'a déjà vendu. Je me rappelle plus. Ouais, tout ça, on vend. Oh, on est arrivé où? Contrebandière Maelic. À notre arrivée, ce phare était désert. Heureusement que nous étions là pour prendre soin de lui. Alors, ça, c'est de l'équipement volé. Et c'est pas cher du tout. Oh, fragment de petit objet. Je veux bien le prendre. On peut vous voler des objets volés. Alors, on fait voir ça. Arnois de l'Inquisition, ses armures sinistres se fond dans la nuit et scintillent au soleil, effrayante lorsqu'on l'entend, terrifiante quand on la voit. Oh, c'est une armure lourde. Et ça, c'est légère. Flaque de la Légion. Je crois qu'il y a Graham qui a ça. Non, c'est qui? Lucie. Alors. 45, c'est pas cher. Tu nous rachètes des trucs ou pas? Ouais, tu nous rachètes des trucs, mais pour rien du tout, quoi. Okay. Attends, on a plus d'argent, on fait chier. Est-ce qu'un Jacques de la Légion en a besoin? Là, c'est armure 14, critique 1. Mouvement 2.
que elle va avoir l'armure lourde, elle va passer le jack à elle. Et toi, t'as ça. Ah, ça fait cher. Parce qu'on a déjà des objets volés. On va devoir les faire blanchir. Ils en mettent un temps à revenir. Je crois qu'il est arrivé quelque chose. Arrête de t'inquiéter, ils sont seulement un peu de retard. Bon chance, j'espère que t'as raison. Cardan me doit un paquet de crônes. Ouais, ils arrivent, t'inquiète. Nous, on vient du sous-sol ou pas? Merde. Critique plus 5, ça tue connaissance. Veste du tacticien. Honnêtement, voilà. Genre là, c'est d'où on vient. Ouais, c'est d'où on vient. Okay. Comment on se retrouve où là? On va camper ici. On est bien campé ici, yes. Alors, fais voir. Hop, ça, ça. Faut blanchir tout ça. Ah, quoi que ça, on peut l'utiliser, ça, à la limite, j'ai envie de dire. Alors, Aigram. C'est qui faisait... Torte. Voilà. Torte, tu vas identifier ça. Là, on a de la connaissance. T'as une chance de récupérer une partie des ressources utilisées en alchimie. Herbier. Let's go. Attends, c'est comment l'herbier? On le craft où? Un truc d'alchimiste? Ah, ça, c'est un accessoire de sac à dos. Ça passe bien notre petite aventure là. Cool. On a encore 25 sels, ça va. On a 3 jours de nourriture, ça va. Où est-ce que les autres. Ouais, faut trouver une prison rapidement parce que là, ça commence à être long. Nickel. Je pense qu'on est... Ils ont des chances de s'enfuir les autres. 0. 0. Ouais, non. Pour les armures. Il y a elle, mais ça va. Le poney, il est à 31. C'est bon. Ah, il y a un truc avec le poney, on devrait pas prendre l'habitude de le réparer.
pour éviter de gaspiller. Comme ça, on n'est jamais trop bas. Imaginez qu'il reste 20. 20, ils vont me dire d'utiliser un, deux trucs en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'en sais rien. Ouais. Non, oula, non. Dans ma tête, ça a du sens. T'as empêché le prisonnier Fololtos de s'enfuir. Ah mais on est sur une petite île en fait. Oula. On est sur une petite île de brigands quoi. Oh merde, y a des esprits. Attends. Vous avez trouvé des anciens gardiens du phare. Ok. Ok. Ah, ils ont été tués. Ils ont été tués. Ça, c'est une hache à deux mains. Est-ce que c'est utile? Affiche son effort contre les dégâts. S'il n'y a plus d'armure, les dégâts sont bons. Celle-ci n'a plus d'armure. C'est une hache. Thor, il n'utilise pas de hache, il utilise des marteaux. Taurus, on le laisse à une main. Ah, toujours le Jack de la Légion, là, je sais pas si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Ah, il faut qu'on les paye, les mecs. Oh, putain. On parte. Est-ce qu'il a blanchi l'armure lourde? Non, je crois pas. Ah, on a récupéré une autre armure, c'est vrai qu'on a récupéré ça. Ça, assaut étourdissant. Il applique déstabilisation pendant un round si elle est déjà engagée avec un allié. Veste de tacticien. Cette veste en a beau être légère, elle est discrètement renforcée aux articulations. Veste de tacticien. Critique 3, 25. Ah, le garde 12, c'est bien en fait. Bah voilà. Tacticien, ça va bien avec lui. Là, comme ça, celle-là n'est pas abîmée. Toi, t'as quoi? Tunique de Orlala niveau 3. Là, c'est mieux, c'est niveau 4. Ok.
Alors, qui veut du critique en plus? Venez à la dégâts critique. Oui, il a volonté. Kirik, il a pas de critique. Peut-être que 8, on peut lui augmenter les critiques. 18% de critique. Après. Ok, c'est pas mal. Ok. La lance, on la garde. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête au... Chez les gens là, ceux-là, pour récupérer de l'argent. J'ai peur qu'ils me fassent de la merde là. Je pense que le prix est bon. Pense que le prix est bon. On a du métal. On a beaucoup de métal ou pas? 53. Juste au cas où, hein. Parce que j'ai pas envie que... Qui que ce soit en fait parte de mon équipe. Cela, ça serait une catastrophe en fait. Ça serait vraiment une catastrophe. Yes, elle est confirmée. Du coup. Table de stratégie. Élaborer une stratégie de combat pour prendre le dessus sur vos adversaires. Compagnon gradé assigné génère un supplémentaire à chaque repos. C'est top. Ah, tu as enlevé un point. Non. Débloquer quoi? Tabou. Ah oui, le tabouret maintenant. Ah oh, merde, j'ai pas assez. C'est où le tabouret? Tabouret de veille. Réduit les chances d'être attaqué pendant le repos, réduit la chance d'évasion des prisonniers. Voilà, là c'est bien. Au 5 cuir, on en a 4. Voilà. Et ben voilà. Table de stratège. Tout le monde est occupé en fait. Ah, attends. Compagnon gradé. Ah, attends. Il faut Kiri. Les capitaines ou alors les lieutenants, j'imagine. Mettre au milieu, ça a plus de sens. Et toi, Aegram. Voilà.
Le camp, il est un peu bizarre, mais bon, comme j'ai dit, hein, le fait de d'avoir des prisonniers un peu en plein milieu, là, c'est un peu étrange, quoi. Moi, honnêtement, le seul autre truc que je reproche à ça, c'est l'animation pour les tentes, en fait. Il y a pas d'animation, les mecs. Si on les laisse comme ça, ils sont en mode repos, ce qui est bien. Si on les met aux tentes, ils sont en mode d'attaque, là, bizarre. Là. Je sais pas, je trouve ça vraiment con, en fait. C'est vraiment le seul truc qui me gêne en fait, au final. Qui a pas de sens surtout. Bon, il nous faut plus de cuir. Enfin, il nous faut un cuir à la limite. On trouvera le cuir ailleurs, quoi. Bon, retourne à Cortia. Cortia, normalement, on peut encaisser, hein. Je crois. Ça fait cher, quand même. Là, je crois qu'il n'y a plus de pêche. Parce qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps. C'est loin quand même. C'est loin. Merde. C'est bien. Tout le monde est content. De côté. Là, tout le monde est en train de travailler. Nickel. Tu m'as fini? Oh yes. Yes. Let's go. Yes, armure lourde. Nickel. Voilà. Elle devient cool, là, hors la loi, là. Honnêtement, faudrait qu'elle perde. Ah oui, c'est vrai qu'on voulait lui donner. Alors, qu'est-ce qu'on lui met? Constitution. Force. Après, il y a des choses qu'on peut. Enfin. Genre alchimiste, de la Dex pour quelqu'un, c'est pas vraiment intéressant. Il y a elle. Maintenant, elle a la critique en fait. Donc, elle a pas besoin de Dex. Lui, il aurait besoin de Dex, mais il est voleur. Donc, il a déjà Dex et critique. Donc, alchimiste, ça fait que critique. Ça sert à rien. Que Dex, pardon. Dex, ça sert pas à grand chose en fait, à part un voleur ou un. Ou un archer. Donc du coup c'est un job en fait perdu, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup on le garde pour elle. Donc c'est bien. Et après l'autre il est quoi? Torte, il est érudit.
Volonté aussi, c'est pas vraiment très très intéressant. Donc ouais, c'est des jobs un peu perdus. Constitution plus 2. Constitution et force. Là, c'est quoi? Constitution plus 6 de faire de la nourriture. Non, constitution force ou constitution pure? Peut le mettre là. Mineur. Enfin, pour le moment, c'est du pareil au même parce que c'est pas des jobs qu'on a fini. Donc au final, genre là, on n'a pas encore fini. La nourriture, ça monte vite parce qu'en fait, nous faire de la nourriture, ça, le mec, il en fait tout le temps, donc il est confirmé. Il a la moitié déjà du niveau. Mais je sais pas combien de niveaux. Puis c'est long, hein. Alors Will, qu'est-ce qu'il veut? Parfois j'aimerais qu'on s'arrête dans une région et qu'on n'en bouge plus, qu'on devienne des mercenaires du coin et qu'on ait un foyer, des attaches. Je suis fatigué, je vais jamais m'arrêter. Râler, boudeur. Bavarder sur la route à propos de l'aventure. Rassurer avec compagnons proches. Ah, bavarder. Warrington, il a raison. Bavarde, mec, bavarde. Y a même pas de panneau. Ou alors, j'ai peut-être pas fait exprès. J'ai pas peut-être pas. Oui, pas fait exprès de pas les voir en fait. On va retourner à la ville, voir si on peut empocher un peu d'argent. Mais il n'y a pas un panneau qui dit genre aller à droite pour la prison, quoi. C'est vrai qu'il y a des panneaux normalement. Bah tiens, là. J'aime bien les mecs derrière. Alors, contrée, château du seigneur, château du comté. Du comte, pardon. Donc seigneur, comte et comte. Ok. Ça m'aide pas des masses. Faudrait que regarder s'il n'y a pas d'autres panneaux. Ça m'aide pas des masses. Très bien. Vous avez débloqué le titre nouveau riche. Ah, on a récupéré les deux missions, je crois. Cool. Cool. On peut rester dans cette contrée en fait, pour le moment. Par contre, l'influence, on va en garder parce que je suis un peu à la rue là pour l'influence. Un tout petit peu à la rue niveau influence. Alors, faut qu'on refasse encore un peu l'inventaire. Critique, garde, armure. Là, c'est quoi? C'est armure, portée, mouvement. Armure, portée, mouvement. Mettre ça. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est très bien. Ça va, tout le monde a des bonnes armures.
Première armure lourde là, ça c'est bien aussi. Qu'on soit tombé sur les voleurs à la con. Hein. 25 ouais. Tiens, prends-nous ça. Alors attends, préparer les armures 32. Faut toujours faire attention à notre équipement et tout ça. Je trouve ça bien, faut bien. Ouais, c'est. Voilà, faut faire attention. Quoi. On va garder le cuir, il nous faut un de cuir. Si on peut en récupérer du cuir, ce serait bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc ça. Ah putain, c'est du cuir aussi. Putain, mais du cuir, il en faut partout en fait. Alors, il isole la peau des flammes, mais n'empêche pas la propagation de celle-ci. Et à son environnement. Je sais pas trop si c'est utile en fait. Ah, ça c'est bien par contre. Ce recueil très complet recèle presque toutes les herbes de Bélérion à Alazar. Les spécimens séchés permettent au lecteur de reconnaître facilement chaque variété de plante. Faut du cuir tout le temps, quoi. C'est... Donc toi, Elgram. Voilà. Enfin, après, c'est bien quand même, quoi. Ça nous pousse un peu à utiliser un peu plus de feu, en fait. Alors, on a 500, il nous faut un peu de bouffe, hein. Un peu de manger. Voler, c'était combien? Ah ouais, 90 à 150. Du miel. Elle vend du miel, j'avais pas vu. C'était quelle recette qui nécessitait du miel? Un truc un peu haut niveau là. Alors on a le ragoût. C'est ça. Ça réduit 30% la vitesse à laquelle la fatigue. Les troupes se cumulent. Faut un miel à chaque fois. Faut du miel, du blé et des pommes. Ok. Ça c'est bien ça, du miel, du blé, des pommes. Bon, par contre l'argent ça descend un peu. Après, on a toujours les antiquités là. Dans le médium, on est dispensable, j'en ai un coup. Ah oui, attends, maintenant on peut peut-être enlever les transports là. Alors, dégâts augmentés de 5% si non adjacent à un allié au combat. Et toi vu que t'es un tank, dégâts augmentés de 10% si adjacent à un allié au combat. Et après, on a vitesse de déplacement dans le monde. Vitesse de déplacement dans le monde. Là, on est à 130, 180 max. Ah, parce qu'on a le gros sanglier là qu'on avait récupéré niveau 6. Là. Sanglier d'élevage, sanglier de trait. Ça, c'est bien ça.
Du coup, niveau poids, on est bien. Bon, il faudrait un peu plus de... Un peu plus d'équipement. De nourriture. Je suis en train de me dire, si on vole, on devrait peut-être voler la forge avec les objets pour réparer. Là. 55 à 95. 78, très bien. S'est pas fait prendre. Enfin, il peut plus se faire prendre, je crois. Alors, maintenant, on délimite à la cruauté. Ça, délimite à la cruauté, il faudrait qu'on le fasse aussi. Alors, là, on a... Non, c'est le cas. Là, on a un pont. Artefact à l'auberge. Ouais, mais il n'y a qu'une auberge. Ah, attends. C'est une tour là-bas? Non, c'est encore un pont. Il y a zéro prison. On a un village là. Sont où les prisons? Vraiment, faut vraiment frapper sur et trouver du fromage, yes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une femme d'un certain âge, son épaule a été soigneusement découpée, mais semble être morte de faim. C'est quoi, c'est des cannibales? Ce fils a pendu... Quoi? Ce fils de pendu a caché sa maladie. Nous n'avons rien vu. Peut-être est-il contaminé depuis des semaines quand je pense à tout ce qui était en danger. Quoi? Faites attention à vous, mercenaires, il y a un pestiféré en liberté dans cette région. Voyez ce qu'il a fait à ses propres parents. Je suis en train de rassembler des volontaires pour partir à sa recherche et d'en finir avec lui. Si jamais vous le trouvez avant nous, ne l'épargnez pas. Le hameau vous récompensera. Cet homme est âgé, il lui manque de la chair au niveau des cuisses. Ah, les cuisses, c'est bon. Donc il aurait bouffé ses parents. Donc ça c'est un pestiféré qui a mal tourné en fait. Genre Taurus il avait toujours de la viande et tout ça. Enfin sa femme elle avait du mal à... Elle avait du mal à le s'en occuper. Donc c'est pour ça qu'elle a dit de s'occuper de lui. Mais au final on l'a soigné nous. On l'a soigné. Bon par contre il est resté carnivore mais on l'a soigné. Donc du coup on risque rien. Ah non. Tour de brûlement. Par contre, il y a un crâne dessus, donc ça veut dire qu'il y a une troupe qui doit se balader. Aux alentours. Inspecter le rocher. Notel, pèlerin déposant des offrandes et saints et honneurs pour les guider dans leur voyage. Merci. Peut pas aller là.
le château, quoi. Château du comte. Là. Oh la vache. C'est un peu grand. C'est un tout petit peu grand. Ah oui, par contre, on a vraiment des boucliers de merde. On pourrait peut-être faire des meilleurs boucliers. Set de forgeron, armée en plate renforcée, brigandine renforcée, chaque rembourré. Ouais, enfin, là, les boucliers, il n'y a pas grand monde qui les utilise non plus. Voilà, on prend les armures. Mystère et sagesse. On verra. Faut vraiment qu'on campe ici, sérieux. Il y a les mecs juste là, quoi. Ouais, bah on va camper ici, je crois, et on va s'arrêter. Je pense. Lui, il est gras. Est-ce que l'autre, il est devenu gras ou pas? Non. Faudrait peut-être couper du... pour pouvoir faire des steaks, là. J'en ai plus, en fait, des steaks. J'ai des perches. Mais je peux pas les travailler, donc bon, à la limite, autant... autant tuer un sanglier. Ça en fait de la nourriture. Très bien. Très, très bien. Il nous en faut encore un tout petit peu. Et après, quand on rencontrera des nouveaux, on les chassera aussi. Voilà, nickel. Ça fait beaucoup de viande, hein, mais bon. On devrait être bon avec le poids, je pense, après ça. Mais ouais, il faudra encore retrouver les sangliers à niveau 6 et en récupérer. Parce que c'est vrai que c'est vachement pratique. C'est vachement pratique. Alors on va s'arrêter là, je pense que c'était un bon épisode. Peut-être un peu plus court que d'habitude, mais honnêtement c'était cool. On va dormir. Alors... les coffres ont été blanchis. Prisonnier, on essaie de s'enfuir, Le rat putréfié qui dormait à côté l'a empêché. C'est énorme. Alors, morceau de poterie. Morceau de poterie, on a eu. La tortue peut se reposer.
j'ai vu que... Alors... J'ai vu que le poids était pas bon. Torche, c'est 1. Je sais pas si avec tout ça... La graisse, je sais pas ce qu'on peut en faire à part des torches. Ok, on est bon. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.